Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview, mais je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Désolé pour le son, il y a eu un petit problème micro, mais ça devrait quand même bien se passer. Hello, salut les amis, c'est Fred pour Solidarity Lim, regardez ce que j'ai trouvé. Un petit quick. Donc là, je suis avec en compagnie de Julien. Bonjour. Salut mon petit Julien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça là? C'est quoi ce quick là? C'est, on va dire, mon dernier repas avant un changement d'alimentation. D'accord. Donc ça, c'était tes repas que tu pouvais prendre de façon régulière? Une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Okay. Et comment tu... Alors pour que les gens puissent te connaître un peu plus, déjà, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais chez toi? Pourquoi je suis là? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et dis-moi. Alors, mon problème, c'est que bon, j'aime la bonne vie, j'aime bien boire, j'aime bien manger. Pas forcément ce qui est bon, bien sûr, évidemment. En plus de ça, j'ai des problèmes physiques, un peu comme Fred ici présent. Voilà, J'avais, exactement. du coup, j'avais parce que j'ai corrigé ça. Voilà. Donc, là, problème de genou, depuis 4 mois, je me suis fait repérer du genou. Donc, plus de sport aussi au passage. Et donc, j'ai D'accord. pris 12 kilos. Donc en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est les... Tu t'es fait les croisés, je crois, Ouais, non? croisé T'as ménisque, la voilà. cicatrice, non? Voilà, dis-tu, regarde, elle est là, elle est là, regarde. Ah ouais. Ligament croisé, ménisque au passage, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça c'était ma hantise. Tu as fait ça au foot? Ouais. Aïe, putain, c'est vraiment ma hantise, ça. Pouh. Et donc du coup, ok. Donc du coup, si je résume, une alimentation un peu, on va dire, bon vivant. Très bon vivant même. Bon vivant, donc un peu d'alcool au foyer au foot, la Ouais, troisième mi-temps. un peu beaucoup même en apéro, parce que j'ai dû revenir chez mes parents, donc un peu beaucoup même parfois. D'accord, donc un Voilà. peu d'apéro. Au niveau de l'alimentation, c'est plus du coup des plats un peu préparés, genre des pâtes, des C'est choses comme ça, ça. c'est ça, c'est ça. Parfois Ok. ça peut être du maison, mais c'est très rare. Ok. Donc là, tes attentes, c'est quoi? C'est de maigrir, de perdre ces 12 kilos? Oui, exactement, de retrouver un poids de forme, parce que même en me regardant dans la glace, en fait, ben voilà, je suis gros. Enfin, je suis devenu gros, plutôt, on va Ok. dire. Donc en fait, le but, c'est de reprendre un petit peu peut-être aussi confiance en toi, te voir dans la glace, voir un petit peu que tu peux Oui. être un peu plus musclé, perdre un peu de poids, être un peu mieux, quoi. Retrouver un poids de forme. Voilà, retrouver un poids de forme. Ok. Tu attends de moi, tu attends des conseils, tu attends une stratégie, tu attends... Ben, alors, en dehors de la reprise du sport qui va se faire avec mon genou, ça, à la limite, bon, pas de problème, mais une meilleure équilibration alimentaire, Ok. sûr. Là-dessus, je sais que j'ai tout à gagner. Et surtout, de la motivation aussi. Parce que Fred, il connaît un peu le truc, donc il s'est motivé. L'arrêt de l'alcool, bien sûr, qui va passer peut-être par l'alimentation, Bien enfin sûr. par l'équilibrage. Déjà ça, c'est pas mal Là, c'est pour très bien. commencer. C'est très bien. Je pense que si, effectivement, comme tu dis, c'est très juste, si on réalimente un petit peu, qu'on change quelques petits détails, parce qu'il n'y a rien de catastrophique, si on change quelques petits détails de ton alimentation, moi, je pense qu'en 4 mois, on va avoir des très très bons résultats. T'es transféré, je crois, un e-book que j'ai rédigé, un petit e-book où j'ai un peu synthétisé ce qu'il faut faire en gros dans un livre numérique. 29 pages quand même. 29 pages, ouais, bon, j'étais lancé. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu dis, est-ce que déjà ça t'a amené des premiers axes de réflexion? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin? Si on se rend compte aujourd'hui, je pense que oui. Oui. Et est-ce que ça t'a aidé déjà à avoir, on va dire, un premier état des lieux sur ce qu'on va faire? Mais sur ce qui m'attend, oui, au niveau de l'assiette. Parce que Ouais. tu m'as mis une assiette, enfin, tu m'as mis un croquis d'assiette où tu montrais ce qu'il y avait à mettre, voilà, dans les plats, tout ce que vous devez manger et tout. Bon, je sais que j'ai tout faux là-dessus de ce que je mange. Ouais, une demi-heure de sport. Moi, je pensais plus, tu vois, à la base. Ouais. Je pensais plus, tu me dis une demi-heure de sport, donc moi, je vais m'y tenir. C'est bien déjà. Voilà. C'est bien. Même si je commence à en faire déjà un peu plus, j'en fais beaucoup. Voilà, faut le dire. Une demi-heure par jour, si tu t'y tiens tous les jours, tu vas voir, c'est excellent. Pour ton cœur, pour tout quoi. Pour ton moral, pour tout. Ça, pas de souci. Super. En plus, j'ai vu, et il a vraiment. Et franchement, j'ai un élève motivé. Il a un vélo d'appartement. Et il a sa télé en face. C'est-à-dire que quand il regarde un film, qu'est-ce qu'il fait, mon vieux? Qu'est-ce qu'il fait? Il optimise tout ça. Il fait le vélo, et il regarde le film en même temps. Donc, il n'y a pas d'excuse. Et ça, il a bien compris. Et c'est cool parce qu'il optimise. Et ça, c'est plutôt bien. Mais moi, je suis assez confiant pour toi parce que tu es quelqu'un de très motivé. Et je pense que ça va vraiment, vraiment le faire.
Est-ce que tu appréhendes un peu quand même, ou pas, dis-moi. Est-ce que tu appréhendes un peu ce changement ou pas? Ouais, j'appréhende les 2 premières semaines au niveau surtout des courses. Parce que D'accord. j'ai peur de pas acheter les bons trucs, de pas. Enfin, d'acheter quelque chose qui est, pour moi paraît bon et qui en fait est mauvais. Voilà. Franchement, je vais te dire un truc, tu vas faire des erreurs et ça c'est normal. Moi j'en fais encore et c'est normal. Et surtout si t'en fais, ben, c'est pas grave, on s'en fout. Justement, faut en faire pour pas l'en refaire. Donc te prends pas la tête, respecte un peu les modules que je t'ai transmis et ça va le faire. Voilà, faut pas se prendre la tête. Si demain t'as un écart parce que t'en as envie, fais-le. Le but c'est de pas de le faire quotidiennement. Mais si t'as envie de le faire de temps en temps, fais-le. Ça peut même t'aider moralement à tenir et à changer. Et en gros, c'est un mode de vie qu'on va changer, c'est des petits changements. Donc il ne faut pas aller trop vite pour que tu puisses t'habituer et que ça dure sur du long terme. On ne fait pas un régime, mais un réajustement alimentaire. De me souhaiter bon courage, tout simplement. Voilà, de bon courage et que je réussisse, même si à mon avis les 2 premières semaines seront les plus compliquées, je pense, Oui. au niveau réajustement, on va dire, mais que ça se passe, voilà, tout Alors, simplement. moi, ce que je te propose, c'est que dans 2 semaines, on fait un bilan, on se refilme comme ça, on se refait une petite interview, on fait un bilan, et on montre aux gens, et tu vas dire aux gens ton ressenti sur les 2 semaines. Ce que tu as changé, les efforts que tu as fait, ce que tu as vu au quotidien, où tu te sens plus à l'aise, moins à l'aise, tout ça. Et puis, on réajustera tout ça, et on va faire une vidéo bilan. Voilà, petite vidéo bilan, où on dira un petit peu, on synthétisera tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, On fait je suis ça? pour. Bon, allez, ben, donc du coup, dans 15 jours, même heure, on fera une vidéo qu'on vous présentera. Eh ben, bon courage, mon Jules, mais moi, j'ai confiance, il n'y a aucun Mais souci, hein. écoute, on va essayer, il faut. Allez, ciao! Bisous.